Mirambeau. Allez. BD. Oh putain, ouais, il est perçu bien la route Jean-Bip. Ok, et il est pas si mal que ça le micro, hein. Allez, bonne route à tous. Merci, bonne route également. Le secrétaire. Ouais, je me suis planté, j'aurais dû aller à droite. Hein. Non, c'est bon. Oui, non, mais là, au prochain croisement, pas celui-ci, mais plus loin, tu tournes à droite et tu tombes au feu. Oui, tout à fait, oui, c'est pareil. Eh bien, toi, ce micro, il n'est pas si mal que ça. Bon, après, il faudra que je l'essaye à longue distance, avec, comme je disais, avec Stéphane Detresse, là, je l'essaierai avec lui. Et ok, et au niveau du poste, le réglage de l'écho, il est super. Là, je suis en train de faire une vidéo. Là, tu verras ça, c'est génial. Et effectivement, c'est fait un petit effet de micro préampli. La modulation est relevée. Ok, voilà. Bon, mais écoute. Ouais, c'est bon, le TOS, ouais, c'est les antennes qui font que j'ai un peu de TOS. Mais bon, c'est... Y a pas de souci. Ok, pour le micro, donc, bon, écoute, ouais, ben, du coup, c'est pour ça que j'ai passé au télé, c'est réglé, parce que tu avais l'habitude de t'entendre longtemps, et puis moi, bon, en principe, écoute, tu sais, je le mets pas plus que ça, hein, même en, surtout en BLU, donc, mais en fait, c'est vrai que ça met un petit plus, ouais. Ouais, non, mais là, comme il est réglé, bon, là, on est trop près, là, pour le coup. Là, mais juste avant ça, eh bien, ça faisait super. Ça mettait du relief de la modulation. C'est donc quelque chose de propre, de nickel. Là, alors pour le micro, je reconnais ta voix. Il restitue la voix bien comme il faut. Je pense est-ce qu'il y a des réglages sur le micro? Oui, le break, 73. Alors, réglage sur le micro, non, il n'y a pas de réglage, c'est monter le centre des canaux, c'est tout ce qu'il y a. L'autre qui s'est mis derrière, ah, j'ai trois coups. Juste monter, descendre des canaux. D'accord, ok. C'était pour voir par rapport, vu qu'il a un DSP d'intégrer, c'était pour voir un petit peu s'il y avait la possibilité de modifier un peu le filtrage en émission, du coup. Alors si, il y a plusieurs réglages, là je crois que c'est le réglage numéro 3. Je vais descendre au réglage 0, voilà, puisqu'on l'avait laissé sur le 3. C'est vrai, c'est la même gueule, Isabelle. Voilà, donc je vais redescendre au niveau 0 des micros, comme si c'était un micro ordinaire, et je monterai au fur et à mesure. Ok, voilà, et en même temps tu annonces sur quel chiffre tu es là durant chaque test, sur chaque position. Voilà, donc là je suis sur le niveau 0 là Rémi. Voilà, là je suis sur le niveau 0 du micro. Voilà. Alors tout à l'heure j'étais sur le niveau 2. Voilà, j'étais pas sur le niveau 3, j'étais sur le niveau 2. Et donc là je suis au niveau 0. Comme si c'était un micro ordinaire. Ok, d'accord. Alors micro 0, ok, d'accord. Bascule carrément au cran à la position la plus loin. Alors là, je suis remonté au niveau 1. Voilà, là, je suis monté au niveau 1. Non, là l'écart est trop faible. Entre. Et monte carrément au dernier niveau. Je sais pas, il y a combien de niveaux? Il y a 5 niveaux? Je sais pas. Monte carrément, histoire d'être sûr de sentir la différence. Monte carrément au niveau le plus loin. Alors,
Alors là, je suis maintenant au niveau 5. Voilà, là, je suis au niveau 5 et je parle à 45 cm à peu près du micro. Mais c'est super bon, c'est super propre. Alors, dans la tonalité, je ne sens pas de différence. C'est très propre, très propre. J'entends aucun bruit ambiant, rien de tout ça, parce que déjà, c'est le but de ce micro, c'est d'être un micro anti-bruit. Il restitue bien la voix, c'est bien propre. Ben, franchement, bon, évidemment, on est près l'un de l'autre. Après, il faut voir en DX. Mais bon, déjà, on va dire en utilisation mobile, donc plus orienté, puisque c'est un micro anti-bruit, plus orienté, on va dire, pour routier, gens 4x4, pour tout cela, eh bien, je trouve qu'il est pas mal du tout comme micro. Bon, ok, d'accord. Alors, je vais voir si, parce que je crois qu'il y avait niveau juste après le 5, je vais essayer le niveau après le 5. Ah, tu as d'autres niveaux après au-dessus ? Il me semble. Alors attends, je vais voir. Ok, d'accord. Il y a quelqu'un derrière ? En FM peut-être. Oh oui. C'est de la FM ça. Hé l'ami ! C'est le 19, ouais, si on aime. Il y a des bouchons sur l'autoroute, Isabelle me dit. Voilà. Pardon ? Oui, après c'est le plus rapide l'autoroute. Là, non, sur la 10, là. Ah oui, au Lidl. Au Lidl, oui. Voilà. Voilà. Donc, ok, là, donc, ouais, je suis au niveau 5, là, Rémi. Non, après, c'est le niveau 1. Ils mettent niveau 1. Alors, attends, je vais essayer de me monter au niveau 1. Ok, d'accord, donc là, sur le niveau le plus haut, eh bien la modulation reste propre. J'ai même entendu Isabelle dedans, et c'est très propre, très fluide. Ouais, tu vois, en plus, elle a parlé pas, c'est vrai qu'elle a pas, elle parle pas très fort, donc ok. Donc je passe au niveau supérieur, là, et on voit ça. Ok, ben, je croyais qu'il n'y avait que 5 niveaux, qu'après tu tombais sur le 1. Bon, t'es sur le numéro 6 alors. Ça doit être ça. Ok, alors là, je dirais que c'est un peu moins bon. Oui, tu perds là un peu en force de modulation. Bon, là, je suis revenu au niveau 5, Rémi. Voilà, je suis au niveau 5. Tu veux qu'on va descendre au niveau 4. Ok, d'accord. Au niveau 4 là, Rémi. Voilà, toujours pareil, bon, toujours en AM, voilà, et donc, voilà, qui m'a dit ça. Ben, c'est super bon, c'est super propre. Ah oui, je suis étonné qu'on t'ait dit que le micro avait une modulation dégueulasse ou qu'il manquait de pêche. Bon, c'est vrai qu'il y a le léger effet d'écho du poste qui est derrière. Il y a peut-être lui là, qui gruge un petit peu. Est-ce que tu peux désactiver l'écho? Oui, tu peux. Voilà, oui, effectivement, c'est ce que j'avais pensé, enlever l'écho. Donc là, je suis sur l'écho, toujours au même niveau. Voilà, donc tu me dis ça par retour. Eh bien, la seule différence, c'est qu'il y a l'effet de relief derrière qui est en moins. Mais pour moi, je valide. Ah oui, pour moi, je valide. Là, tu le verras dans la vidéo. Bon, cette vidéo-là, ça sera une vidéo indépendante hein, de la journée. Et oui. Ah oui, je comprends pas pourquoi certains n'ont pas aimé, parce que
que ta voix est vraiment bien restituée. J'entends aucun bruit derrière, parce que c'est ça à la base le but de ce micro. J'entends aucun bruit ambiant, c'est comme si tu étais dans une pièce voilà, avec où t'as le silence dedans. Ok, Rémi. Bon, mais écoute, voilà, oui, je pense que il devait y avoir un mauvais réglage. Et puis là, bon, ben écoute, voilà. Au moins, on fait une expérience en direct et vidéo. Donc, comme ça, même Christophe pourra se rendre compte aussi de l'efficacité du micro. Ouais, ouais, bon, cette vidéo-là, je pense pas qu'elle sera prête demain. Hein. Mais bon, je ferai au mieux, je ferai au plus vite. Hein. Et là oui, hein, je la vois très, je vois la modulation très propre. Hein. C'est, on te reconnaît, il n'y a aucun bruit derrière, ambiant, de quoi que ce soit. En plus, j'imagine que tu as les fenêtres ouvertes. Ah oui, tout à fait, on a les têtes. Ah non, oui, non, j'ai que la mienne ouverte. Hein. J'ai que ma fenêtre ouverte. Oui, alors que moi, de mon côté, j'ai fermé déjà de mon côté, puisque là, je suis en passager. Mon côté est complètement fermé. Du côté de Fabienne, il y a juste quelques centimètres ouverts. Et toi, malgré que tu as la fenêtre grande ouverte, normalement, il devrait y avoir un bruit d'air et tout, et le bruit de la route, ceci, cela et tout, et ça, il n'y a rien qui passe. Nous, on prend à droite. Hein. Ok, d'accord, mais écoute, je pensais que... Ah oui, tu la prends plus loin là-bas, l'autoroute, hein, d'accord, ok. Je pensais que tu la prenais là. Ok, ben moi ça me va aussi très bien, là, voilà. Ah bon, ok. Donc oui, mais ben, attends, je... parce que quand tu aurais parlé, c'est pas évident, voilà. Mais comme ça, bon, ça me permet de m'éloigner un petit peu de toi. Voilà, je voudrais essayer aussi de fermer la fenêtre, mais je vais te relâcher le micro pour ça. Ah ben si déjà, là, j'entends pas les bruits extérieurs, la fenêtre ouverte... ouais, tiens, je t'ai aperçu dans le virage de fermer la fenêtre. Ah, chi. Là, c'était... Bah déjà, c'était comme si tu avais la fenêtre fermée au niveau de l'écoute. Hein. Parce que je me souviens, moi, en QSO comme ça, en AM, quand j'ai la fenêtre ouverte, certains me disaient, putain, on a l'impression que t'es dans un camion ou un tracteur. Avec le battement de l'air et tout ça, le bruit ambiant. Et là, toi, on n'entend rien. Rien d'autre que toi. Ok. Oui, c'est pour te dire que j'avais baissé la puissance. Là, j'ai la puissance à zéro, là. Donc, je suis carrément à gauche, hein, donc je dois être à 3-4 watts, là. Ah ben moi, je suis d'entrée, hein, j'ai mis la puissance à zéro. Hein. Enfin, à zéro minimum d'entrée. Non, on est trop près pour monter un petit peu. Là. Oui, donc c'est pour ça que tu vois, ça, c'est bien d'avoir... Là, comme tout à l'heure, j'avais la puissance, et là maintenant, j'ai baissé. Voilà, comme ça, moi, attends, je vais mettre avec le limiteur de vitesse, comme ça, je vais être tranquille, ne pas trop aller trop vite. C'est là, normalement, c'est 80, et je roule un peu plus que 80, là. Ouais, quelques miettes. Je vois ça sur le compteur. Ouais, quelques miettes. T'es même pas à 85. Et toi, Isabelle m'a dit que j'étais à 88. Wow. Oui, non, mais elle prend la TVA avec. Non, non, c'est moi qui donne la vitesse. Ah, chie trois coups. Va pas faire un tour dans les maïs, là, à droite, avec elle. Elle a dit non, non. Bon, vu le test micro, ah ben, tiens, passe le 32 en uniforme Sierra Bravo. J'espère qu'on ne sera pas trop près, parce que là, ça va craindre un petit peu, là. Le peu de distance qu'il y a entre nous, bah, de puissance à zéro aussi, il y a tout pareil. Hein. En canal 32 en uniforme Sierra Bravo pour faire un test en BLU de ce micro. Ok, c'est parti. Je sais pas si tu es rendu là, pour ma part, ok, voilà. J'essaie de voir un petit peu, de parler un petit peu, voir si tu as besoin de clarifier un petit peu. Parce que des fois, quand on est trop près comme ça, ça fait des distorsions et tout, c'est pas toujours évident.
Voilà, bon, je pense que là, j'ai dû assez blablabla. Oui, ok, oui. Donc là, c'est bon, c'est bien. Bah, tu vois, j'avais essayé d'appeler ça. Enfin, je suis dans la mini-puissance. Attends, je t'en le rond-point, là, je te lâche le micro. Est-ce que c'est bon pour moi? Pour toi? Toujours tout droit, hein? Oui, affirmatif. Non, je te disais que nous on tourne à droite. Toi, tu pouvais aller où tu voulais. Je suis trop à coup. Bon, on est trop près là en BLU. Hein. Là, c'est franchement dégueulasse. Non, tout droit. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Excuse. C'est moi qui déconne. Tout droit. Voilà. Non, on attrape Boursefront. N'importe quoi, on en vient. On attrape. Oh bah ça y est, j'ai loupé, j'ai oublié. Oui, non mais après. On attrape Sojon, Cause. Et après direct sur l'autoroute. Ah oui, ok. Bah non, c'est. Ok. Non, il n'y a pas de problème. Oui, là, toi, la BLU, là, c'est trop. Et pourtant, toi, je suis toujours en mini-puissance, là. Ouais. Mais c'est trop près, la BLU, là, toi, c'est vraiment trop près. Ouais, mais on va rester sur le même, mais on redescend en AM. Ok, voilà, pour moi c'est fait. Je suis redescendu en AM. Non, non, là, c'était, là ça va pas. Faudra des stations beaucoup plus lointaines de ça là, pour faire ce test. Mais bon, peu importe. Là, c'était cracra. Ok, à cause du trop près. On a quand même vu que ben, la modulation elle est là quand même malgré tout. Hein. Malgré que c'était distordu là par le trop près, il fonctionne bien quand même le micro. Ouais, par contre on est sur un FM. Ah j'ai oublié. Ouais ok, on teste un FM. Ok. Ok, je suis là. Putain oui, ça m'a cassé les oreilles là au passage. Bon, c'est bon, quelqu'un se met entre. Non, ok. Ah bah lui, il fait comme ça, voilà, ok. Bon, voyez un petit peu ce que ça donne. Ok, voilà, donc c'est bon, là, je suis en FM aussi. Voilà, ouais, normalement, c'est bon. Toujours mini puissance, je suis toujours à droite, là. Voilà, donc normalement, ça devrait être bon aussi, hein, puisque. Et puis, c'est vrai que là, vu la distance, c'est propre, voilà. Là, c'est vraiment, la FM, là, c'est vraiment propre, là. Ouais, c'est ce que je remarque aussi. Par contre, j'ai vite sauté sur le squatch. C'est au secours. Au secours. Alors bon, en FM, comme je m'y attendais, la modulation est moins percutante. Moi, j'ai remarqué ça. Hein. La FM, ça percute moins que la M. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça en FM. Hachi. Mais bon, la modulation reste identique. Elle reste propre, c'est nickel, c'est... Si, il marche bien quand même ce petit micro. Quoi. Ok, c'est vrai que c'est moins virulent la M, mais c'est propre, voilà, c'est l'avantage, c'est que c'est propre. Oui, puisque la M, c'est comme dans la BLU, enfin, c'est au niveau du wind et tout ça, la M, c'est comme la BLU. Ouais, je sais bien, ouais. C'est comme la BLU avec une porteuse fixe en plus. Hein. Voilà, Hachi. Et j'ai oublié le nom. Zut, comment ça s'appelle? Le mode qui associe en même temps l'USB et l'LSB. Il y a un sujet là-dessus sur le forum justement, là qui parle de ça. Oui, ça. Qui est la bande supérieure et la bande inférieure. Voilà, l'USB c'est la bande supérieure et l'IMACR Bravo c'est la bande inférieure de la BLU. Oui, non mais c'est d'accord, mais il y a un troisième mode. AMFM, USB, LSB, un cinquième mode, voilà, qui associe l'USB et l'LSB, les deux associés en un seul mode du coup. J'ai oublié le nom, il faudrait que je regarde sur le forum, il y a un sujet dessus. Oui, c'est la SSP, Sierra Bravo. Non, SSB c'est c'est la BLU. La BLU, il y a l'interprétation française et SSB anglophone. Il y a,
Ah, faut que je retrouve ça, c'est, faut que je retrouve ça sur le forum. De toute façon, c'est BLU. Voilà. Donc, t'as l'uniforme Sierra Bravo et les bas Sierra Bravo, c'est tout ce que tu as. Eh bien, t'en as un autre qui relie, qui associe les deux. Et c'est pas un petit cibiste quand même qui va apprendre à quelqu'un qui est dans un radio club qui a encore un autre mode où, qui permet d'être en même temps en uniforme Sierra Bravo et Lima Sierra Bravo. Et là, ça porte un nom, hein, ce mode-là. Oh, j'ai la flemme d'aller voir sur le forum. C'est pas possible, Rémi. T'as la BLU, la M et la FM. Après, t'as les modulations de phase. Voilà, après, c'est modulation de phase, ce que tu as. Mais tu as que ça en mode de modulation. Je suis content. Eh bien, je te montrerai ça. Il n'y a pas de problème, Daniel. Hachi. Alors, le premier qui a été à me parler de ça, c'était l'ancien patron de Radio M33. Voilà. J'ai fait une recherche et tout, ça, dessus, tout. Et sur le forum, j'avais ouvert un sujet là-dessus. Je crois qu'il y a l'inquisiteur Tza qui est venu justement argumenter dessus. Il y a aussi un radiomateur belge, je crois, enfin je ne sais plus exactement qui est venu compléter le sujet et tout ça. Et tu as bien aussi ce mode-là qui existe. Mais c'est vrai qu'il ne fait pas trop parler de lui. Moi je connais que la modulation de phase, la modulation FM, la modulation AM et la modulation FFT. Je t'en montrerai un autre. Je te ferai découvrir ça à l'occasion. Par contre, si tu pouvais repasser en AM, ça m'arrangerait parce que dans les relâchements de micro, j'ai un crack qui apparaît. Et là, je suis obligé de monter le volume aux 3/4 parce que bon, par rapport à l'AM, la FM, la modulation est plus faible. Ok, on est entendu. Ok, je suis là. Ouais, voilà. Ouais, bon, là, ça va déjà mieux, là. Ah, ça percute, oui. Par rapport à l'AFM, c'est vrai que même si j'avais ce que je suis automatique, ça percute, là. C'est... voilà, oui, ça marche beaucoup mieux, là, quand même. Hein. Tu vois, comme quoi, il y en a qui... faites la vidéo. Ouais, c'est bon, ça tombe toujours. Il y en a qui critiquent l'AFM, ceci, cela. Bon, chacun ses opinions. Ok, bon, d'accord. Mais critiquer à tort, je trouve ça dommage, hein, parce que bon, c'est un mode qui marche tout aussi bien. Hein. Mais bien sûr. Voilà, après, l'AFM, bon, c'est vrai que c'est... Quand il y a de la propagation, l'AFM, tu sais, c'est aussi bien aussi. Hein. Voilà, et donc, là, nous sommes en data, ralenti, voilà, et donc... c'est vrai que la M, ça marche pas trop. Hein. Bon, et puis en plus, vu la distance que nous avons, c'est le mieux, quoi. Oui. Bon, ce qui m'a permis de baisser le volume par la même occasion et tout, ça. Et c'est vrai que là, c'est... En plus de ça, on a la chance de ne pas avoir de QRM. C'est très propre, c'est nickel. Pourquoi il a tourné? Attends, t'es parti par où, toi? T'as tourné? Ah ben, t'es plus devant. Ah si, j'ai pris direction 7 à droite. Ah, je pense, hein. Ça nous fait prendre par le GPS. Par 7. Ok, d'accord. Eh bien, nous, là, on passe par l'intérieur. L'intérieur de Sojon, on ressort de l'autre côté, direction Cause, et on va attraper Mirambeau. D'accord. Bon, mais écoute, de toute façon, comme ça va nous éloigner, et puis peut-être qu'après, on va pouvoir passer en BLU pour voir ce que ça va donner. Oui. Bon, de mon côté, là, j'ai remonté la puissance. Comme ça, t'auras pas besoin de me dire que tu commences à me perdre. bon, de toute façon, là... attends, je suis en train de regarder la caméra. Attends, 2 secondes. Je fais... voilà. Ok, voilà, c'est fait. Je sais pas où j'en suis au niveau batterie. Si, ça a l'air d'être bon, encore bon. Combien de temps, je sais pas, on verra bien.
peu importe. Mais bon, j'avais le compte à rebours qui était pas loin d'être rendu au bout. Alors avant de me faire piger par ça, voilà, j'ai fait un arrêt et redémarrage de la caméra. Ok, je viens de remettre là. Tu as compris. Ouais, tu vas tomber. Ok, donc nous on a pris la première sortie, hein, après bon ben comme ça on va être objectivé, ça va nous permettre de pouvoir se dédouaner. J'ai remonté la puissance aussi. Comme ça ben, on va pouvoir voir ce que ça donne. Ok, t'as pas oublié de faire attention à la puissance d'entrée dans l'ampli quand même. Hein. Faudrait pas qu'il s'envoie en l'air. Hein. Ah non, là je suis avec la puissance du poste là, pour les arriver. Hein. Là je suis avec la puissance du poste, hein. J'ai remonté la puissance et sur le poste. J'ai pas allumé l'ampli encore. Ah, ok, d'accord, ok. J'ai cru que tu l'avais allumé, et du coup je l'ai allumé aussi. Là. Non, là moi je suis uniquement avec la puissance de poste. Ok, voilà, je me suis mis à Xeco, puissance poste. Eh bien, vu que. Hello, qu'est-ce qu'il nous fait là? Et le doigt dans la boîte, filmé. Oui, vas-y, bah oui, tiens. Viens nous voir. Viens nous voir. On a un petit con là en scooter là qui nous a fait un doigt parce que bah, il nous a grillé la priorité. Tu vas caler. Ouais, voilà. Et monsieur il est pas content parce qu'il m'a fait bien la klaxonner. Bah, il nous grille la priorité, c'est normal quoi. Ah mais tout à fait, ouais, non mais c'est ça là aujourd'hui dans la jeunesse d'aujourd'hui. Voilà, bon c'est ce que tu veux. Merci de travailler. Voilà, non, mais comme je te disais, la révision, que toi, j'ai pris des cours, là, j'ai pris des cours, Bon là Daniel, je suis obligé de mettre la puissance là, de mon côté. Là je viens de te perdre sur la fin, il est temps de passer en USB. Hein. Donc uniforme Sierra Bravo. Ok, bon, j'ai recoupé la puissance derrière. Là, je suis qu'avec la puissance du poste. Uniquement la puissance du poste. Donc là, ok, ben là c'est bon, je te retrouve. La modulation est pas mal aussi. Hein. C'est le test est bon. Hein. Ok, pour ça. Hein. Donc, toujours le test, c'est 10 niveau 5, c'est ça, au niveau du micro. Donc, on a pas touché le niveau du micro. Alors, petite info dans la vidéo, si nous, de notre côté, dans notre test, on valide le micro, que lui, après, SAV Radio 33, de son côté, en écoutant la vidéo, on voit que ça va être bon, eh bien, où on pourra trouver le micro? Eh bien, à SAV Radio 33. Ah oui, tout à fait, il faut lui faire de lancer dans notre ami Christophe, là. Un peu plus de 40 tours, on va dire.
Ok, ouais, j'ai entendu Isabelle derrière. Par contre, il est temps que tu allumes l'ampli, Daniel. Hein, parce que là, la ML145, elle arrive au bout de ses capacités. Là. Et là, je commençais à te perdre un petit peu sur la fin. Donc, vu que tu n'es pas de multitâche, Hachi, et que tu as un surnom assez particulier, Hachi 3 coups, n'oublie pas de baisser la puissance du poste avant d'allumer la chaudière. Ah, je m'attendais à un peu plus de confort, un peu plus de puissance. C'est pour ça que ah oui, mais complètement, complètement, parce que quand tu vas écouter là dans la vidéo. Là tu m'arrives QRP là. C'est. Oui oui sérieux, hein, tu m'arrives assez QRP là quand même. Là. Ouais, c'est le problème, c'est que je ne peux pas la mettre sur la galopette, sur la galerie, là, comme je le voulais faire. D'accord. Et là, pour revenir encore au micro, eh bien c'est tout nickel. C'est, je comprends pas où certains t'ont dit que ça marchait mal et tout, ceci, cela. Je l'aurais pas vu par moi-même que j'ai envie de dire que tu es sur le micro d'origine, qui lui aussi est très bon. Là, mis à part que là, j'entends aucun bruit de quoi que ce soit, ou comme tout à l'heure, qu'on était assez près, j'entendais aucun bruit de quoi que ce soit environnant. Là, la distance avec un signal plutôt QRP, bah, ça marche quand même bien. Hein. C'est pas un foudre de guerre, ok, d'accord. Mais faut pas oublier que le but de ce micro, c'est d'être anti-bruit. Donc forcément, à un moment donné, ça va être réglé un petit peu quelque part. Mais il est très propre, très QRO. Ok, voilà. Donc ce que je vais faire après que vous lâchez le micro, je vais débrancher le micro là, le président, et je vais mettre le micro d'origine. Voilà, comme ça on fera un test aussi avec le micro d'origine. Ok, ça marche. A de suite. Eh bien, j'ai envie de dire qu'en fin de compte, le micro d'origine est un poil moins bon. Bon, du coup, j'avais fait une coupure vidéo, j'ai redémarré la caméra, là. Et, oui, ben, alors là, je suis bluffé, quoi. Parce qu'en principe, le micro d'origine, malgré ce que certains pensent, les micros d'origine, c'est quand même pas mal. Hein. C'est, quoi qu'on en dise, les micros d'origine, ça, en principe, ça marche bien. Et là, je mettrai le micro d'origine un cran au-dessous. Du micro président. Ok, d'accord. Après, bon, voilà, il y a quand même. Bon, le micro est là pour filtrer. Ok, là je suis en train de te perdre. Hein. Bon, j'ai eu en entier, hein, y a pas de problème. Hein. Mais je crois que là on va arrêter là. Donc oui, alors c'est validé là pour le micro président, hein, l'autre qu'on a testé. Hein. C'est largement validé. Et du coup, il est un cran au-dessus par rapport au micro d'origine. Donc oui, le micro que tu as en test, il marche vraiment bien. Ah, il y a quelqu'un qui m'envoie un SMS. il est vraiment bien. Donc oui, là je suis en train de te perdre.
J'imagine que toi tu m'entends encore vu ce que j'ai derrière. Hachi, donc j'ai envoyé des 73-51. Moi de mon côté, là je vais faire silence radio hein, avec la journée qu'on a passée là dans le bruit, tout le monde et tout. Je vais arrêter de casser les oreilles à l'XYL en même temps par la même occasion. Elle a besoin de calme. Hachi, ça lui fera du bien. Et les 73-51, Daniel, 88, Isabelle. Merci d'avoir été avec, avec nous tous au salon. Et je te tiens au courant, Daniel, pour tout ça, et Isabelle aussi pour le reste. Ok, merci. Vu l'emplacement de l'antenne et tout, là, la ML145, elle est rendue au bout, là. Ok, merci. Bonne route également. Ok, d'accord. À plus.